Hi, I'm Jack. I'm Jack Schausten. It's the name of my YouTube channel. Oh, I'm Jack Schausten, and today I wanted to do like a video with like a special guest, Mariana. We wanted to make like a video, like really like an interlinguistic video with Portuguese and French, because I am from France, if you didn't already know this, and she is from Brazil. We're going to make like several exercise where I'm going to guess like a city, an action and everything, and she also going to do this. Well, I will speak only French and she will be only speaking Portuguese, so like it will be just like a very challenging video. Yeah. and also like to know like I speak Spanish, so for me it would be like a little bit easier maybe, because Spanish and Portuguese are like close enough to see transparency, I guess, sometimes. But for you it will be harder because you don't speak any other Roman languages. No. So I understand a little bit of Spanish, but I don't speak Spanish. But yeah, let's see. So we'll be speaking French anyway. Exactly. But so, and French and Spanish are not that much alike. No. So I mean, they are a bit alike, but not that much. So yeah, let's basically jump right into the first exercise, which is like naming two cities. Let's count to three and then we'll have to be our national and mother tongue. One, two, trois. One, two, trois. Oui. Oui. La ville est une capitale. C'est un pays du sud de l'Europe. Ok. Mon pays est proche. Donc la France est proche de ce pays-là. Je suis encore jamais allé dans cette ville. Ouais, le drapeau du pays est jaune et rouge. Est-ce que t'as compris? En petit. Et tu dois parler portugais. Un poco. Ok. Sardinha. Estou? Quoi? Na Italie. Non. C'est un pays qui... Oui, le drapeau est rouge et jaune. Rouge, vermelho, jaune. C'est une cor, né? Oui. Ah, Croatie. Non, plus simple. Et c'est la ville que tu vois. Yeah, yeah, yeah. Non, c'est le pays, non, c'est la cidade. La paella, c'est un des plats typiques du pays. Madrid? Oui! Je sens que j'ai attrapé toute ton attention quand j'ai dit paella. Exactement, sim. Falou paella, eu entendi tudo. C'est vraiment super drôle, honnêtement. À toi. Eu. É uma cidade. No, qui fica no maior país da América do Sul. Ok, donc un peu prétentieuse déjà la meuf. Le maior país da América do Sul. Ok. É a capital desse país e é uma cidade conhecida pela arquitetura. A arquitetura dela é bem famosa. Foi desenvolvida por um arquiteto chamado Oscar Niemeyer e é brasileiro. Elle n'était pas supposée dire le pays. Só tô falando demais. É a cidade onde eu moro. Est-ce que c'est la capitale? Sim. Em brasilien? Oui, sim. Ah. Elle a un peu triché parce que je lui ai dit de pas dire le pays, sinon c'était trop facile. Mais bon, j'avais quand même compris que si on partait du Brésil, bon bref. Donc deuxième ville. Cette fois-ci, c'est pas la capitale du pays. Non, c'est la capitale d'un pays. Ce n'est pas la capitale d'un pays. C'est une ville aussi en Europe. Elle est plutôt grande. Et grande? Plutôt. Un peu. Plutôt. C'est un pays en fait qui est un peu slave, mais pas trop. Enfin, ils sont slaves à 100%. Il y a une frontière commune avec l'Allemagne. Pologne. La ville. Oui, c'est la Pologne, mais la ville, j'ai besoin d'avoir une ville. Et c'est pas la capitale de la ville. Et c'est une ville très connue, hein. Tout le monde la connaît normalement. Quoi, cor da bandeira? Moi je parle normal. Non, mais tout le monde connaît la ville. C'est une ville très connue. Tout le monde connaît.
Exactement. C'est ça. Tout le monde la connaît. Maintenant, c'est vrai qu'elle n'est pas très grande. Elle est un peu grande. Non, elle est grande. Pas très. Qu'est-ce que signifie pas très? Ok. Ok, pas très. Une partie. Non, pas très. Ok, il y a des mines qui sont de sel, des mines de sel, des grottes de sel qui sont connues là-bas, des souterrains de sel. Un souterrain? T'es un souterrain? En sel. En sel. Avec du sel. Ah, mais non, d'ailleurs. C'est une ville en Pologne. C'est pas la capitale, donc on ne parle pas de Varsovie. Krakow. Oui. Vous, hein? Really? Oh. Oh my god, oh, muitas línguas. Krakow? Oh. A toi. Oh, ok. Eu. Arriba, 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 outra vez. Na verdade, é uma cidade que fica dentro de outra cidade. Ela é bem pequena, mas as pessoas não sabem que essa cidade, que esse lugar é uma cidade. Eles acham que essa cidade, ela é parte da outra cidade maior. Fica na Europa. Sim, na Europa. Sim. E c'est pas très grand. Não. Mas olha, e fica dentro de uma outra cidade. C'est une ville à l'intérieur d'une autre ville. Isso. É. Genre une enclave? Não. Não. É a cidade conhecida pelo Papa. Ah, la ça c'est ma faute parce que je connais vraiment pas l'Italie, mais c'est le ah merde, comment ça s'appelle? Le Vatican? Yeah, oui. La 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 la. Non, foi tão difícil. Non, ça c'était pas très difficile. Donc du coup, on doit faire une histoire. Donc cette histoire-là, je vais commencer. Je commence. C'était cette semaine. Je suis allé me faire enregistrer à l'administration pour le nouvel appartement. Eu entendi. Ah, eu entendi. Et là, j'arrive. Alors, je suis arrivé à l'heure. J'étais ponctuel. Et donc du coup, j'ai attendu dans la salle d'attente. Je suis allé, j'ai mon numéro qui a été affiché, je suis rentré dans la salle. Et quand j'étais en rendez-vous du coup avec l'administratrice, enfin la réceptionniste, celle qui s'occupait de mon dossier, je voulais enregistrer mon appartement. Et là, elle commence à me dire que, bah, en fait, j'étais plus enregistré depuis un an à Berlin. T'as compris? un peu, c'est entendu. Et donc, j'ai essayé de lui demander pourquoi j'étais plus enregistré. Et elle ne me l'a pas expliqué, en fait. Elle m'a juste dit que je devais aller dans un autre bureau. Et que je devais demander à ce bureau pourquoi ils m'ont pas enregistré, enfin ils m'ont désenregistré et m'ont enlevé du registre en fait de l'enregistrement qu'on fait en Allemagne normalement. Le truc c'est que ça m'a énervé quand elle m'a dit non parce que j'essayais de lui demander pourquoi et elle me répondait pas en fait. Elle voulait pas me donner plus d'informations sur pourquoi. Parce que du coup, le problème c'était qu'elle ne voulait pas enregistrer mon nouvel appartement parce que j'étais désenregistré. Sauf que moi je lui ai demandé pourquoi elle voulait pas m'enregistrer maintenant. Donc voilà. Voilà. Donc première question. Parce que le but c'est que je pose des questions après pour que justement on voit si elle a compris l'histoire que j'ai dit. Bon. Où je suis allé cette semaine. Ok. Où je suis allée cette semaine? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ah, ok. Você foi se registrar para fazer. Você foi no, na administração para tentar fazer o seu registro do novo apartamento? Ça, c'est bon. Okay. Premier point. Au revoir! Deuxième question. Qu'est-ce que la femme m'a annoncé quand j'ai voulu enregistrer mon appartement? Mon nouvel appartement. Qu'est-ce que la femme m'a dit quand elle m'a... Qu'est-ce que la femme a dit pour vous? Alguém falou alguma coisa pra você. Pra expliquer, j'ai pas compris. Não entendi a pergunta, mas... Aconteceu alguma coisa que não deu certo. Deu errado. Você foi tentar se registrar e não conseguiu. Ouais. Não, ça pas marché. Donc, bon,
pense qu'elle a compris. Je pense, je crois. Donc, ting. Yeah, ok. Game. Et dernière question. Qu'est-ce que j'ai ressenti quand... qu'est-ce que j'ai fait quand elle m'a dit que c'était pas possible? Et aí eu não entendi. A pergunta eu entendi, mas o que aconteceu eu não sei. Você voltou pra casa. Você foi pra casa. Ficou triste. On dirait du russe presque. Na prakat? Quoi? Foi pra casa. Não sei, não sei. Je me suis énervé. Ah, ok. Elle m'a soublé. Ficou nervoso. Ficou nervoso. Est-ce que t'avais compris? Ah, agora eu entendi, agora eu entendi. Bon, on va mettre un troisième point alors, parce que peut-être qu'elle a juste pas répondu ce que... Enfin, peut-être qu'elle s'en souvenait plus. Donc du coup, trois points, c'est bien. Eh ben, c'est à toi. Raconte-moi ton histoire, Père Castor. Ontem eu fui fazer compras no supermercado que tem aqui perto. E aí eu comprei várias coisas. Frutas, verduras, pão, muesli. Não tem como falar assim. Em português, leite, comprei tudo. Aí eu fui pro caixa pagar, né? Uhum. E aí a mulher tava lá passando os produtos. E quando eu fui ver o valor, tava 750 euros total. E eu tinha comprado já 15 itens. Ok. E aí a mulher que tava no caixa, ela ficou assustada, assim... 700? Meu Deus, como assim? Como assim? A compra é tão pequena? Como pode, assim? Não. Aí eu falei, vai. Não sei o que aconteceu. Aí ela falou, será que é a flor? Porque eu comprei flores. Então. Aí ela passou a flor. Não, não era. É a banana, talvez. Pegou a banana, passou. Não, não era. O champignon, o cogumelo? Não, também não era. Aí a gente pegou as uvas. Aí ela passou as uvas. A uva? As uvas? Uva, sabe? Que faz o vinho? Ah, ok, ok, beleza. É, aí ela passou, tava custando 618 euros. Aí a mulher ficou mais desesperada do que eu. Eu tô olhando assim. Ela, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Ela, tudo bem, acontece, não tem problema. Mas ela ficou assim, assustada. Às vezes, se a gente não tivesse visto, eu teria pago 700 e tantos euros de compra. Ok. Entendeu? Oui, je pense. O que que aconteceu? O que que eu fui fazer ontem? Quoi? O que que eu fui fazer ontem? Qual é a atividade que eu fiz ontem? T'étais en train de faire les courses. T'étais au supermarché. Palavra bonita, essa de supermarché. C'était ça la question? Ok, um ponto. O que que eu comprei? T'avais acheté des bananes, des œufs, des fruits, en tout genre, des fruits. Não sei o que que é isso, mas... Fruits. 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 É isso, fruits. Ok. Des fruits, rien de... Ele falou banana, acho que tá valendo, então. Tá certo. Une quinzaine d'articles. Quinze. Isso. Tu l'as dit. Bon. Et o que que aconteceu quand eu fui pagar? La caissière, elle a passé les yeux, je sais plus combien de fois, à peu près 500 fois ou quelque chose comme ça. Du coup, t'as failli payer 700 euros pour payer les articles. Le prix? Yeah, si. Le prix, c'était 700 euros quelque chose. Isso aí. Muito bem. Voilà. Donc j'ai tous mes points aussi. 3. 3. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va chacun se donner une action à faire. Donc elle va me demander de faire quelque chose et il va falloir que je le fasse. Et moi, c'est pareil, je vais lui demander de faire quelque chose et elle le fera et on verra si elle arrive à le faire. Ouais, tu commences cette fois-ci? Eu começar? Oui. Et você pode dar 3 pulos. Quoi? 3. Você pode pular 3 vezes. Em frente da câmera, Pular? Uhum. C'est ce truc. Quand vous êtes avec les pernes, vous pouvez. Comme ça? Twerker? 1, 2, 3. Moi, j'entends quand elle me dit ça, j'entends faire des pompes. Je suis pas sûr. Pula! Pula 3 vezes. Pula. Pular. 1. Le kangourou pula. Ah, va sauter. 1, 2, 3. Muito bem!
J'espère que tes voisins, ils n'ont pas de problème. À toi, est-ce que tu peux ouvrir la fenêtre? Que? Tu peux ouvrir la fenêtre? Ouvrir musique? Non, ouvrir la fenêtre. Que fenêtre? Je ne sais pas. Ouvrir, je ne sais pas. La fenêtre, c'est une partie de la maison par laquelle la lumière rentre. Ah! Pour entrer la luz? Acender la luz? Non! Ali? Oui! Abrir la janela? Oui! Ah! Ah, peraí. Vou lá. Isso! Elle a ouvert la fenêtre. Ah! Pronto. La communication est difficile, mais elle se fait. Ah. É, a communication. Mas a gente se entende, né? Tá começando. Ouais, on se comprend, on se comprend. La dernière action qu'on voudrait faire, c'est le dernier défi, c'est en gros juste de parler 5 minutes. Donc on va parler 5 minutes de tout et de rien, de la pluie, du beau temps. Et le but, c'est de savoir justement si on va pouvoir avoir une mini conversation, savoir si c'est intéressant justement que, en réalité, si vous êtes français ou si vous êtes brésilien, si vous pouvez aller en France ou au Portugal ou au Brésil et parler toujours votre langue maternelle et être compris. Ça serait mal poli, mais ça serait faisable. Bon. Qu'est-ce que vous pensez du climat? T'as bonito de hoje, né? Oui, c'est très joli aujourd'hui. Et tu savais que, genre, l'hôtel là-bas, là. Si, c'est vrai, je suis masculin. Un hôtel, né? Ils vont construire une tour. Sérieux? Oui. Comment tu sais de ça? Je l'ai vu sur internet. Ah! Pardon! Non, mais et cette tour, ça sera la plus grande tour. Okay. Elle la plus grande. Okay. La plus grande tour de Berlin. Elle fera 175 mètres de haut. Wow, muito, muito alto, então, muito grande. Ça sera la plus grande de Berlin. Ok. Et pourquoi ils vont faire? Quoi? Ils vont construire, vont faire ainda? On dirait presque qu'elle a parlé français là. Ils les ont construits ou pas? Construit. Oui, oui. Non, non, pas encore. Ils sont. En fait, ils attendent les constructeurs. Ils attendent que l'autoroute soit terminée. Parce qu'ils construisent une autoroute en face de l'hôtel. En face de l'hôtel. Ok. Ils construisent une autoroute maintenant, là, en ce moment. Donc, avant de construire l'hôtel, ils veulent attendre que l'autoroute soit terminée. T'as compris? Non. Eu só entendi que eles têm alguma coisa no. No une autoroute. No... Isso eu não sei. Ah. É subterrâneo? On n'a pas d'autre mot en français pour dire une route. Route. Pense à l'anglais, route. À raiz? Une route avec deux voies pour les voitures, a pour rua. Les automobiles. À rua? Ah, je sais pas. Estrada, rua, a rua, onde os carros andam? Oui, pour conduire. Legal, intéressant. Muito obrigada, não sabia dessa informação. Voilà, maintenant tu sais. Qual é a sua cor preferida? Ma couleur préférée? J'en ai pas. Você não tem? Nenhuma? Non. J'aime bien. Mais ça dépend pourquoi en fait. Si je veux décorer ma chambre. Chambre? Oui, ma chambre. Sua cama? Oui. Ah! Si je veux décorer ma chambre, ça sera plutôt le vert. Des couleurs naturelles. Cores naturais? Oui. Ah, o que é uma cor natural pour vous? Branco? Le vert. Le vert, le branco. Ouais, le marron aussi. Marron. Des couleurs naturelles, vraiment. Des couleurs que je peux retrouver dans la nature. Et beige. Mais si c'est des couleurs que. Si c'est des couleurs que je porte, mes vêtements. Ah, je suis pas censé te montrer le truc. Si c'est des couleurs que je porte. Là, ça sera plutôt bleu. Azul? Ouais, bleu. Azul. Bleu et j'aime bien aussi l'orange. Mais ça dépend comment je le porte. Ça dépend. Ok, à l'orange un pouquinho. Ouais. Et le noir aussi, évidemment. Le noir, ce n'est pas une couleur, donc... Ok. Mais le noir, j'aime bien le noir. Le noir, mais escuro. Ouais. Non tão claro, mais escuro. Le noir. Escuro! Escuro, ok. Eu acho. Et c'est tout. Et toi, c'est quoi ta couleur préférée?
No momento, eu gosto de amarelo. Le jaune? Amarelo. Le jaune. Amarelo. Je crois que c'est jaune. Pode mostrar o que é amarelo? Amarelo. Muito bem. Isso mesmo. Sim. C'est jaune. E rosa também. Hã? Rosa. Rosa? Eu gosto de amarelo e rosa, no momento. Rosa, ok. É, eu gosto de cores no geral, eu gosto. C'est des couleurs joyeuses. É. Muito. Joyeuse. Gay. Colorido. Oui. É. Aqui, dá pra ver, né? Percebe aqui que é amarelo. Muitas cores aqui. É. Mas aqui? Aqui, cores, muitas cores aqui. Et j'ai entendu que c'est partout. Donc, voilà, je crois que c'est fini. I think we can switch back to English. I think we did God. It. Was cool. Yeah, it was cool. It was like a very interesting like game, actually. I think you can do it like if you're like living in like a very populated city and there is like a lot of, in Berlin, and you can do it with your friend and drink if you understand. Yes. Oh, that's yeah, it's like totally. A drinking game, it can be, but yeah. It's fun. Yeah. I thought it was going to be more difficult, but actually, I mean, we got it, yes. Yeah, I mean, and plus, like, we were trying to not make it easy, but it realized, like, in real condition, you can, like, make you understand, like, quite easily. It's not that hard. Of course, like, for really big topic conversation, it's hard. Yeah. But, like, to speak, it was feasible. Like, it really worked, yeah, I think. Yeah, yeah. I mean, there are some many similar words, but at the same time, when you were speaking through the context, I could understand. I think I've learned some new words with you. Yeah, from my side, yeah, of course, like speaking Spanish helped a lot, especially when you name the color, and sometimes like a few times with the verbs. But to be honest, it was helping me sometimes to just have some complementation, but most of the time I was relying on the transparent words that are from French, so and that also are the same in Spanish, so technically it didn't make much difference. It helped, of course, but was I really able to get all the points from this? I don't think so, but it helped. Of course. Yeah. Portuguese sounded like really Russian. Sometimes I swear I've heard like Russian words, like yaziki, for example. Yaziki. Yeah, I don't know what does it mean. It's not Portuguese. Yeah, you'd say, but I've heard it because probably it like it was like several words together. Yeah, together, but maybe, yeah. I've heard sometimes like word in Russian. I don't know why, but I just heard them. It's maybe it's just a similar thing that happened to. To me, when I heard you saying some words, that sounded like German. Yeah, I think it was the same because like you're trying to make sense of something you don't understand, so like using like just what you know. My references. Yeah, exactly. So yeah, so basically we are done. So as we were saying, like if you like the video, please like it. If you like it, just the experience of it, just let me know because like it would make me go actively looking for people. For example, if you speak, I don't know, Catalan, or if you speak Romanian, like know that I don't know those languages, so the challenge would be like still possible for me to do and interesting to do. We tell you goodbye now, and I hope you enjoyed the video. And yep, I see you in another video, maybe with you one day again, with pleasure. Yeah, sure, it's so fun. Thank you for inviting me, it was nice. You're welcome. Yeah. Bye. Bye.